Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous êtes avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez et intéressez-vous, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que j'ai une information sans problème. Démarre journal la condition temps, possibilité de l'eau qui ka descend à Britsoukou sous plusieurs débattements pays d'Haïti d'ici finissement semaine. Gagnon masse les fret sous île Tchèken Kaikos qui gagne influence sous condition temps sous gros île Caraïbio. C'est une situation qui pourrait bail activité l'appli qui marche avec l'ouraille dans la soirée avec la nuit là sous débattement nord-est, nord, plateau central, nord-ouest, grandance avec l'ouest, côté nous jeune, zone métropolitaine Port-au-Prince. Gen danje inondasyon, glo ki ka desan Britsoukou, nan nord-ouest ak grandans disi finisman semen nan, dapre espesyalis haisyen yo, nan kondisyon tan. Gen van kap soufle sou debatman peyi d'Haïti yo, pandan jounen an, gen anpil soley nan matin ap gen nuaj epi tan pral mari nan finisman apremidi ak aswe. Soti nan nivou 34°C, temperati an pral desan an 24°C nan aswe. Kapten Bato Chaloup, boafouye yo, dwe evite rentre nan fon lan mer kap mouve anpil bo tout kota peyi d'Haïti yo, Vague a monté nan niveau 7 pieds haute, bokot Sidio ak 6 pieds haute, bokot Nord pays d'Haïti yo. Nan chapitre insécurité, c'est pour pipiti 148 moun ki pèdi la vie yo, nan lese frappé an gang exam 400 marozo ak chien méchant ki koumanse dimanche 24 avril 2021 nan kwa démission ak kwa de bouke. Se premier information, réseau national kap défendre moun yo ramase nan yon enquête la bra poursuivre nan la plaine nan Nord ak Nord-Est Port-au-Prince. Nan menm rapport sa, NDDH rapporté, apre yote fin victime viol kolektif epi repete, plizye fam aktifi mouri asasine padan violans gang ame yote fe soti dimanj 24 avril, rive vendredi 6 mai 2021 nan la plen, dapre sa, rezo nasyonal kap defan do amoun yo fe konen. NDDH precize, nan rapport sa, fam aktifi yo, sibi viol, anvan yo touye yo. Organisa do amoun nan fe konen gang 400 marozo yo te touye 17 jen fam li te jwen nan yo hotel nan galet zon but boye prolonge anvayote la geyo nan puy dlo ak nan latrine. Gang 400 marozo yo ak chen mechan yo touye pipiti 148 moun nan 13 jou dapre bilan pasyel RNDDH. Soti 2018 rive 2021 gen 33 ka viol kolektif sou fam aktifi ki enregistre pendant 13 atak gang exam te fe nan divers kati defavorize nan debatman lwes dapre RNDDH. Plizye chab lende la polis nasyonal la te servi pou mene mamb federasyon gang G9 an fami ak ale yo al pote kole bay gang chen mechan pou troke kon a gang 400 marozo nan masak la plen nan ant dimanche 24 avril pou ive vendredi 6 mai 2022 dapre rapor rezo nasyonal kap defando amoun yo. Dapre RNDDH, mamb grame yo te genye ansyen polisye Jimmy Cherizé, tout moun konen son nan barbecue, Mathias Saint-Il, Iska Andris, Dielel Dele, ki gen ti nou ti Watson, tout se chef gang ame ki soti vin renforse baz chen mechan. Gang 400 marozo a te kontinu fe anpil atak nan fief gang chen mechan pandan yo touye plizye jen gason, mem jan ak tout jen gason yo te renkontre yo. Plizye jen fom aktifi te subi viol anvan yo te asasine yo. Ansinya ou prezay chen mechan, mem jan ak lot chef gang, ki fè pati G9 an fami ak alye, te trake dimanche 24 avril l'arrivé jeudi 5 mai 2021, moun patikilyèman jen gason ki dapre ou mèm ta gen rapor ak Olrich Emil, tout moun konen sou nou pè le bwen nan gang 400 marozo a, ki ta fasilite atak gang ame yo, yo te rive chase nan but boye. Yon pati nan populasyon ki viktim nan longe dwe ta sou otorite la polisyon nan divers aksyon ki fè ta pou supporte baz chen mechan. Toujou nan menm chapit, insekurite a premier ministre de facto a Dr. Ariel Henry mande Union Pays Europyo bourad materyel ki ta ka ede la polis nasyonal fe fase kare a klima laterea gen exam ap si maye sou teritwa nasyonal la. Chef gouvernement de facto a fe konen si sekurite an pa retabli ed Union Pays Europyo ap pote bay Haitien pap efikas epi li pap permet yo avanse. Nan konteks difisil sa, Dr. Ariel Henry mande Union Pays Europyo kontinye supporte peyi d'Haiti ka fe fase kare ak yon kriz ekonomik ki san presedan. An koute, Premier Ministre, Dr. Ariel Henry ka pote plis detay pou nou. Dans le cadre de l'accord du 11 septembre 2021, mon gouvernement s'est engagé à organiser des élections générales dans les meilleurs pays afin de remettre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien. Pour y parvenir,
l'amélioration de la situation sécuritaire du pays demeure un passage obligé. Nous recherchons activement des équipements, des moyens et la formation adaptée pour la police nationale d'Haïti qui lui permettront de combattre plus efficacement les gangs qui valorisent certaines zones du pays, notamment au niveau de la capitale. Mais nos moyens sont limités. Nous ne demandons pas beaucoup. En tant que partenaire fidèle et de longue date, l'Union européenne devrait envisager sérieusement de nous aider à trouver ces matériels qui font rendez-vous à la PNH. Les cris de la population exaspérée parviennent jusqu'à nous et devraient encourager nos partenaires de l'Union européenne à lui venir en aide. Le peuple haïtien en serait reconnaissant. Sans le rétablissement de la sécurité, l'aide apportée à Haïti par l'Europe restera inefficace et inopérante. Haïti fait face au défi d'une stabilité politique et institutionnelle qui affecte l'attractivité économique et les investissements étrangers indispensables à la création d'emplois et une meilleure qualité de vie pour la population. Dans ce contexte difficile, je vous demande de continuer à supporter Haïti, qui fait face en ce moment à une crise socio-économique assez sévère. Certaines études et analyses estiment que plus de 4 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, dont plus de 1 million en très grande précarité. C'est un défi majeur que mon gouvernement doit relever. C'était Premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry. Sous vos paliers, ambassadrice Union Pays Europe là, dans pays d'Haïti, Sylvie Tabès fait qu'on est Europe capable d'aider pays d'Haïti, mais c'est pays à lui-même qui pour prendre responsabilité li. Dans niveau équipement, ambassadrice Sylvie Tabès fait qu'on est des limites yo pas qu'à franchir. Dans question assistance technique yo capable porter quelques bourrades. En côté ambassadrice pays Europe yo, dans pays d'Haïti, Sylvie Tabès qui a porté plus de détails pour nous. J'ai bien entendu la demande du Premier ministre. Il est certain que le problème d'insécurité actuel est un grave problème qui en fait préempte tout le reste, empêche le pays d'avancer, qui crée des conditions de vie vraiment déplorables pour la population qui légitimement est préoccupée par ce qui se passe. Donc ma réponse serait de dire que oui, nous sommes un partenaire et un ami de long terme d'Haïti que nous sommes en train de voir en ce moment, compte tenu de ce que nous voulons faire, dans quelle mesure nous pourrions contribuer avec d'autres partenaires qui sont déjà très engagés pour que tout ça soit fait de façon coordonnée et utile pour le pays, pour appuyer. Mais en bout de ligne, nous pouvons appuyer, mais c'est quand même au pays de faire. Il y a plusieurs façons et évidemment vous avez parlé d'équipement, mais ce n'est pas uniquement des équipements. Au niveau des équipements, tout dépend de quel équipement on parle, on a des limitations que l'on ne peut pas surmonter. Mais en revanche, en termes d'assistance technique, en fait, de conseils, d'appui pour apporter les ressources humaines qui pourraient manquer en termes d'organisation, ce sont des choses aussi que nous sommes en train d'étudier. C'était ambassadrice pays européen dans le pays d'Haïti, Sylvie Tabès. Sous question de sécurité, ambassadeur de la France dans le pays d'Haïti, Fabrice Mouries, fait qu'on n'est pas de guerre civile dans le pays d'Haïti. C'est plutôt quelques bandits qui paralysent ensemble l'activité économique et politique, surtout dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Le fait qu'on est tout pays qui n'a union pays européen a mobilisé sous question de sécurité dans le pays d'Haïti. En côté ambassadeur de la France dans le pays d'Haïti. Vous avez dit, monsieur, qu'il y avait une guerre à Haïti. Ce n'est pas du tout notre diagnostic. Haïti n'est pas en guerre civile. Haïti ne connaît pas une guerre. Haïti, il y a ici l'immense majorité de la population qui aspire à vivre pacifiquement et qui aspire à vivre, à envoyer ses enfants à l'école, à avoir une bonne éducation pour ses enfants, à avoir un avenir. C'est l'immense majorité de la population haïtienne. Il y a quelques bandits, il y a quelques gangs ici qui représentent finalement assez peu de monde, qui veut faire, pour des raisons qui sont sur lesquelles on peut épiloguer, et qui ne partage pas cette aspiration collective. Mais ce n'est pas une situation de guerre civile. Ça n'empêche pas que c'est un grave problème, parce qu'effectivement, ça paralyse l'ensemble de l'activité économique, de l'activité politique, de l'activité sociale et éducative du pays.
c'est effectivement c'est un grave, surtout à Port-au-Prince d'ailleurs, parce que c'est surtout un sujet dans la capitale, moins en province. Mais il n'y a pas de guerre civile, ce n'est pas du tout un diagnostic. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre l'insécurité, et c'est ce que nous essayons de faire, nous, collectivement. Tous les pays du monde de l'Union européenne sont mobilisés là-dessus, à titre bilatéral. Et j'entends la délégation de l'Union européenne, la déléguée de l'Union européenne, nous dire aujourd'hui qu'il est considéré d'avoir une contribution de l'Union européenne. Et je pense que c'est un pas tout à fait décisif qui montre que nous sommes tout à fait conscients qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut tenir en respect ces gangs et finalement que force doit rester à la loi et à la République haïtienne. C'était ambassadeur de la France dans le pays d'Haïti, Fabrice Mouriès. Toujours dans le même chapitre, insécurité à mardi 10 mai 2022 à la police nationale arrêté dans l'Imbé, département nord, policier national James Désiré avec Faber Jean-Louis avec un chargement drogue, yot a paré pour porter au cap. Yot a gagné 352 kg paille sèche qui semblait avec marijuana, yon quantité 35 985 goudes, 2 armes Mac Taurus avec calibre 9 mm qui c'est pour PNH là. 29 cartouches calibre 9 mm avec 2 chargeurs cartouches 9 mm. Dans le chapitre insécurité, mardi matin 10 mai 2022, à gang examen Matissan Yo qui continue à faire assassinat dans un an d'apiamp 3 camions marchandises dans Matissan. Bien moné dans matin, mardi 10 mai 2022, bandi examen détourné 2 camions marchandises qui tap quitté Port-au-Prince pour entrer dans ville Okaï dans le sud pays. C'est syndicaliste Meyu Changé qui confirme nouvelle là dans la presse. Toujours dans le chapitre insécurité à la police nationale d'Haïti, il était un pile travail pour le faire, pour le couper tout bon, Zach Brigandaya Klimalatire Gang Examio, appelé des Simaïs sur le territoire national là, c'est disons organisé de Douamoun, Saint-Carl Lévesque SKL. Même si les saluts GFOR qui fait yo, à quelques actions la police fait contre quelques groupes bandits, Père Gardi Maisonneuve, qui est directeur exécutif à Saint-Carl Lévesque, fait qu'on est population a bien pour satisfaire de bilan un directeur, la police là, les pas gain aucun foyer gang dans le pays. Nous invitons à écouter Père Gardi Maisonneuve qui a porté plus de détails pour nous. Nous-mêmes, organisation Douamounio, particulièrement dans Saint-Carl Lévesque, nous sommes bien contents et. Rapport ça que directeur bail là c'est beaucoup ça mais n'attend beaucoup plus toujours comprendre premier bagage faut plus dire ça au cas ça zam ça yo et ça comme ça yo fait passer le plus souvent ça qui réjouit nous là ça c'est le fait que bien parfois yo arrêter bandi yo prend zam yo yo pas même dit ça zam ça yo prend fait ça au fait zam yo qui ça zam yo devenu donc est-ce que zam yo a entré l'arsenal, la police là, ça y'a pas ça avec. Et comme ça y'a saisi y'a, qui ça y'a fait à comme là, et qui côté comme ça y'a pas allé. Et y'a doué font rapport pour y'a dit, mais ça fait à Zamio, est-ce que c'est des amis qui pas le détruit? Est-ce que c'est des amis qui pas entrer l'arsenal, la police là, pour nous connaître? Ou Zam ça y'a pas retourné faire même chemin encore à jeune bandit y'a? Et nous bien contents tous, c'est un bon point pour y'a, que y'a présenté, travail à faire, parce qu'en plus, nous croyons que tout, la police n'a pas gagné gros travail qu'elle a fait à cause de complicité qui gagne dans le monde qui a fait politique. Nous avons toujours compris que la police n'a pas travaillé. Et moi, je viens comprendre l'autre bagaille. Et le directeur a fait présenter ça intelligemment parce que il y a un peu de bruit qui courit que vous pouvez aller remplacer. Il montre que la travaille. Parce que il y a des groupes politiques qui veulent que monsieur parle encore parce que monsieur pas fait travailler directement. Donc tout ça fait nous contents. Que nous, comme minimum, qui fait, n'a pas encouragé pour faire plus encore. Les populations sont bien contentes. Jour nous, plus content, c'est là que nous connaissons pas aucune cellule de bandits, aucun côté dans le pays encore. Une façon pour la police là capable d'avoir plus de résultats, organisation Douamounan, Saint-Carl Lévesque, mandé pour agents la police plus présents dans une série zone et stratégique, surtout dans les villes provinciaux. Père Gardi Maisonneuve, qui est directeur exécutif Saint-Carl Lévesque, fait qu'on est disposition ça, taper aider la police là, empêcher de gagner nouveaux foyers. Gang développé dans le pays à un côté directeur exécutif Saint-Carl Lévesque là qui a porté plus de détails pour nous. Mais ça n'a pas recommandé à la police là parce que nous-mêmes nous faisons des rapports déjà nous dit que chaque commune dans le pays a c'est un terrain fertile pour la police. Nous besoin la police a un contrôle effectif dans le pays là. Ça veut dire pour chaque côté il y a une présence policière. Pour chaque côté, l'infini c'est pas une présence qui l'a, mais c'est une autorité qui l'a qui a fait un travail. Donc c'est ça nous-mêmes n'attend. C'est une autorité qui là qui fait un travail. Parfois quand ils vont côté dans une commune, policier qui là c'est lui-même encore qui fait plus des ordres.
qui gagne la commune. Donc nous-mêmes, nous avons besoin que la police gagne une présence qui est correcte dans ça l'affaire. Vous comprenez? Donc nous avons besoin de la police organiser les citoyens et mettre une présence de la police dans chaque section communale, dans chaque côté du pays, pour empêcher les bandits de pousser dans le coup de Jean-Jean. C'était Père Gardi Maisonneuve, directeur exécutif Saint-Carl Lévesque. Pastorale Université l'Église catholique roumaine dans Port-au-Prince encourager une mobilisation populaire pour forcer l'État à agir contre climat l'intérêt gang examio. Dans l'interview Libaye dans cadre d'une conférence pour la presse a été fait mardi 10 mai 2022, Père Franzi Petit Homme souligné aucun manœuvre personnel pas privé garantit toute bonne sécurité en dans pays. Nous invitons à écouter Père Franzi Petit Homme qui a porté plus de détails pour nous. Tout le monde conscient, quel que soit couche dans la société, il est victime de près ou de loin de phénomènes de violence et insécurité qui sont censés gangréner toute la société. Dans quelle que soit institution, quel que soit monouillé, pauvre ou riche, ou passé en bas, même problème. Donc, université, jeune universitaire, il n'est pas capable de rester indifférent comme universitaire. Pour ne pas être capable non seulement réfléchir, mais chercher ensemble des solutions pour nous sortir dans sa nuit. Parce que le problème est grave, mais la solution est capable de paraître simple. Dans la mesure que toute société arrive à comprendre que les plus grosses âmes qui gagnent pour bataille contre le phénomène de violence et insécurité, c'est l'unité. C'est être ensemble en différentes forces et institutions dans la société haïtienne. Qui est capable d'éliminer, voire éradiquer problème insécurité, problème violence, problème kidnapping. Donc, des fois, malheureusement, nous constatons dans une institution, dans un corps, il y a kidnappé un monde, semaine kidnapping, tout le monde qui est lié avec lui à travers l'institution, il prend la rue, il écrit note. Yo kidnappé un médecin, tout médecin campé, l'hôpital fermé. Yo kidnappé un pasteur, pasteur fait jeûne, l'église ralentit. Yo kidnappé un père, l'église catholique ferme l'école, fait des protestations. Mais beaucoup de gens moi un moment pour que toute force vive société. Même j'ai kidnappé un professeur université fonti campé. Mais beaucoup de gens moi une situation pour que tout le monde en dans société a fait un seul pour dire bon finalement c'est pas que c'est mon pam, c'est pas mon pau, mais en nous toutes, nous faisons tête ensemble pour nous camper contre phénomène kidnapping, phénomène insécurité, phénomène violence là. Engagement universitaire, nos batailles contre climat l'intérêt, contre insécurité, c'est thème 13e congrès l'Église catholique roumaine en Port-au-Prince, vendredi 13 et samedi 14 mai 2022. Congrès là qui t'a dû réunir plusieurs centaines d'universités, d'après révérend père Franzi Petit Homme, prèl occasion pour mander université à bay dizon sous situation insécurité sans pareil pays à vivre depuis dernier temps sa yo. Nous invitons à écouter Père Franzi Petit Homme, une autre fois encore, pour porter plus de détails pour nous. Congrès universitaire qui pral fête là, autour de thème l'engagement de l'université dans la contre sécurité, c'est une possibilité que nous voulons société à saisir et réflexion qui pral fête yo, c'est pour garder peut-être qui ça au fond. Tout le monde pas mettre tête ensemble. Pour être qui ça gagne monde jusqu'à présent malgré que qu'on est une faux, je pense que problème insécurité au cas résoudre personnellement. En effet, lorsqu'on monde ouais la vie menacée sous gain l'argent acheter une machine blindée, mettre caméra à la caillou, ou monter mur 17 hauteur, ou prendre 2-3 agents sécurité et dans l'esprit pas on pense que on résout problème insécurité par là, mais au fond on a erreur. Parce que à un problème global pas qu'à gagner yon essai de solution égoïste. C'est tout le monde, que ce soit ses prêtres, pasteurs, professeurs, journalistes, médecins, tout le monde net dans la société à marchand, tout corps dans la société à pour qu'ils font seul, pour qu'ils disent non, faut que ça finisse. C'était Père Franzi Petit Homme. Le chapitre la justice après pays Jamaïque, pimpé l'aller dans pays États-Unis, ancien sénateur. John Joel Joseph, qui est cité comme un suspect dans l'assassinat le 7 juillet 2021 sous ancien président de facto Jovenel Moïse, paraît pour première fois lundi 9 mai 2022 devant la justice Miami.
D'après journal américain Miami Herald, nan mouman li te komparèt devan tribunal américain, ansyen parlementè a riske pase tout res vili nan prizon nan kada dosye sa epi li dwe rete ferme nan prizon jiska skè posè a fini. Lundi 9 mai 2022, la polis peyi d'Haïti pimpe nan peyi Etasuni, polisye nasyonal Alexandre Premier, li sispek ki gemel trimpe nan trafik drog. Se nan mwa oktob 2020, la polis te arete Alexandre Premier, ansanm ak yon lot polisye Issa Dieudonné ak dile drog Eliobert Jasmin, yo plis konen sou nan Ediwan, yo pimpe anko jeudi 7 avril 2022 nan peyi Etasuni pou trafik drog. Li te libere epi kek ta apre la polis te arete li nan mwa mars 2021 pou trafik drog. La polis nasyonal la peyi d'Haïti pimpe li nan peyi Etasuni nan dat 7 avril pase an. Otorite yo pa montre oken volonté politik pou fè sistem la jistis la mache kom sa doa, se dizon Fédération Barreau Pays d'Haïti nan yon mouman kote grefye yo nan yon 5e semen grev pou exige pi bon kondisyon travay nan 18 espace tribunal nan PIA. Maître Robinson Pierre, lui ki se sekretè général Fédération Barreau yo, mande otorite yo pou yo degaje yo koumet Jean-Jacques pou yo satisfè revendikasyon sa yo ki jis pou pèmèt sistem jistis la fè yon pa an avan. An koute Maître Robinson Pierre, lui pou plis detay. Denye ane sa wè fè kade nan mizi pou nan domen se fwa foksyone e se si gen pou rezon ki spike sa. Men pi gwo rezon se ke nou santi gen problem de volonté pou men akter judisyen pou yo akorde yo men ki se pou yon de l'Etat pou se pou se justi manche pou la justisa. On sa justi pa kon ken l'Etat ki domen ki ka foksyone bien. Ni ke se ekonomi pa devlopè parce ki man ken moun ka bin investi non peyi kote bagay justis. Donk yon investisman yo pou la justis poteje. Gen ki problem tou sosyal paske pap ap gen chakè jou swa de dekilib sosyal, men surtout pal genyen kesyon populasyon e ganyen yon jowel fekona ganyen tout patou ap bandi ap pouste ap bandi e yap mintibliye kote yo bloke tout aktivite e generalman kelkonk nan peyi ya donk wè situasyon komplike pou mdeni nan kesyon de bozwa sou grev grefye yo pou mwen apou prens grev grefye yo pou nou kenan tribunal de peyi yo petèp men tribunal de mwen stot ki dede zakan pou etat zanmi gen parlay pou les ou tribunal des ou jurisdiksyon di gen reperkusyon kan men paske gen plize jurisdiksyon ki ta fayi pou ki ta repren aktivite men kote kote ale kwa de bouke se ou men ki plize diktim nan sa mis a par des jurisdiksyon kote de gen problem deja par rapport a konflik gen la da yo men apre sa ou greve la li fè impak, men impak yo e nou pa soti yo poto pres piske negativite a dege de chita poto pres avèk kwa de bouke dok jou di se sa yo pa a travay dok petèp sou lò pran yen chou pran mi balè ou pran tibouav ou pran kaye va ekzamp, petèp Jeremy mba konen koma aktivite yo ye men pou zon metropolitèl nan nada, kom mè mèm mè bon sote bon implikasyon direk nan tout vi vik se yo, par apwa travay ki se pose tèt avoka yo, travay mè de chan d'aksyon pou yon vèman evolu pou yo ta fè tout bon dosye yo. Men par rapport kriz poton preslan wè gen la nan justice ta, li aji sou tout juridiksyon yo, gen problem tout patou. Siti Sekretèr Général Fédération Barreau Pays d'Haïtien, Maître Robinson Pierre-Louis. Nan chapitre l'éducation, Ministère éducation nationale décide retirer Jean-Carl Albert Belleris comme directeur l'école Castra Belleris après escandale jouement ak l'autre parole à Pimambouk. Albert Belleris tap di yon jeune fille élève l'école la. Ministère éducation nationale ak formation professionnelle la, Nesmi Maniga, annonce gen yon commission provisoire ki kreye pou assure gestion l'école sa. Toujou nan menm chapit, l'edikasyon konsey Universite l'Etat d'Haïti a leve la voie kont a proje bese nivou budget Universite l'Etat, gouvernement de facto a genyen. Budget sa ki te privwa yon ajusteman nan budget fonksyonman Universite l'Etat d'Haïti an, redwi ak 70 milyon, soa 6 fwa mwen sa 400 milyon goud yo te promet yo dapre konsey Universite l'Etat d'Haïti an. Si montan sa konfime, sa pral angrave sityasyon UH la ka fe faskare ak go difikulte ki genyen dapre konsey Universite an ki mande otorite konseyne yo pou yo onore promes yo. Nan chapit la justice, paket tribunal sivil Port-au-Prince lan invite pou jeudi 12 mai 2022 an, ansyen ministre jeunesse, espoir ak aksyon sivik lan Evans Lescoufler, sou akuzasyon kadejak li ta fe sou yon jen gason. Konvokasyon sa fet, suite ak yon plente, Claude Alex Bertrand te depose kont Lescoufler pou motif viol ak agresyon seksuel sou li. Bandi a exam, la polis a poko identifiye kase yon lot fwa anko pale justice Port-au-Prince lan Kishita sou bicentenaire nan la nuit mardi 10 mai 2022 an. Dapre Maître Ikenson Edume, genye bureau plusieurs juges instruction ki kase pendant
cambriolage ça. C'est cabé au juge Maître Ikenson Edumé ak juge Jean-William Morin, Annie Fignolé, Ramon Sid Aksime et Latrier. En plus, gen moun ki kase tout, secrétariat femme juge yo d'après Maître Edumé. Dans le chapitre économie, ministre économie et finance de facto, Michel Patrick Boisvert annonce un nouveau budget qui pourrait le marquer dans un contexte économique catastrophique. Côté depuis trois dernières années, économie paysan a fait bac sans arrêter. D'après ministre économie et finance de facto, il prévoit une petite croissance et il travail sur investissement public. En côté ministre économie et finance de facto, Michel Patrick Boisvert qui a apporté plus de détails pour nous. Sans le secteur privé, c'est difficile pour le gouvernement, c'est difficile pour l'État de répondre à ses obligations. Donc on sait combien vous contribuez à faire avancer notre économie et malgré les difficultés de l'heure. Donc vous êtes là aujourd'hui pour répondre à cette invitation. Donc je ne peux que vous dire chapeau. Le pays vient de connaître trois années de décroissance économique. Et là, pour renouer avec les mots que vient de prononcer M. l'ambassadeur, il y aura dans les prochains jours de grandes décisions qui seront prises et notamment il y aura l'adoption de nouveaux budgets et je sais qu'il est très 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 attendu surtout par la communauté économique haïtienne. Donc dans le cadre de ce nouveau budget qui sera adopté dans les prochains jours, donc il est prévu un renouement avec la croissance. Donc la croissance va être...